Eh bien, le bonjour à tous, et bien le bonjour à toutes. Et aujourd'hui, on est reparti sur le jeu Ship Gravity Simulator 2. On va continuer à bateau que j'avais commencé en off, bien évidemment, parce que j'avais dû faire une petite surprise dans pas longtemps, faire le dernier des bateaux en live, bien évidemment. Donc là, on va finir le bateau qui nous a coûté la petite somme de 250 euros, le Maroon Lagoon. Où j'ai fait, comme vous pouvez voir sur la gauche de l'écran, les demandes de contrat. Quand c'est marqué demander les trois comme ça veut dire que c'est bon. Vous pouvez aller retourner sur l'ordinateur, vous mettre sur le bateau, contrat, et faire demander. Il y a 200 boules. On continue sur Palak, 250 boules. Et sur Tarum, 500 boules. Ouais. Le prochain, ça sera à 300 euros. Ça, je ferai ça en off. Et on se fera celui-là ensemble en live, bien évidemment. Faut quand même 2000 euros. Il faut quand même améliorer les outils qui ont eu quelques petits trucs. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour à tous et à toutes, et passez une bonne semaine. Ouais, merci, chacun. Donc, quand je voulais vous dire, oui, il y a eu une mise à jour pas longtemps, donc les outils ont changé de forme. Vous pouvez voir le marteau, maintenant il ressemble à ça, au rouge. Mais bon, et les matériaux sont un peu plus costauds que la première fois. Donc, vous allez voir par vous-même. Donc, le bateau, vous avez vu la photo à quoi qu'il ressemblait. Et voilà, à quoi qu'il ressemble. À la fin, voilà, elle ressemble plus qu'à ça. Quand vous avez démonté un bateau aux trois quarts, bien sûr, avec un chargement de 18 tonnes 900 dans le camion, mais ça, c'est encore rien. C'est encore 18 tonnes 9, c'est rien du tout. Et que j'ai eu pire que ça, quand on m'a monté jusqu'à des 30 tonnes avec le camion, quand même. Bien lourd. Là, qu'est-ce qu'on a à faire là, à part démonter, à part faire dégager le moteur. Hop. Vous voyez avec la disqueuse, pourtant c'est une disqueuse de niveau 1, 2, 3, 4, 4 ou 5. Vous voyez le temps que ça met. Ouais, vous voyez. Donc quoi qu'il faut prendre votre temps dans le jeu et améliorer vos outils. C'est ce que je vous conseille franchement si vous jouez à ce jeu-là. Pas faire comme certaines personnes qui bombardent comme des malades pour faire le jeu. Et que finalement, vous ne voyez pas la personne ce qu'elle fait. Donc c'est pour ça que moi, pour arriver au dernier bateau, j'essaierai d'améliorer un maximum mes outils. Parce que la masse, tape le sol en trois coups. La disqueuse, vous voyez, pourtant la disqueuse est bien améliorée, mais c'est encore long et plus gros. Hein. Allez, hop, la CB en touche 5, on rappuie sur touche 1, et on attend que la grue dégage le bidule du truc. Allez, où elle? On retire le moteur. En attendant, je vais vous montrer ce que je vais vous dire. Pour le sol, vous allez comprendre par vous-même. 1, 2 et 3, vous voyez. Là, j'ai amélioré il n'y a pas longtemps. Sinon, c'était en 4 coups à chaque fois. C'est assez long quand même. Quand même très très long. Là, il y a tout à faire. Tout le tour. Moi, ce que je fais pour faire tomber tout le centre, et c'est un conseil que je peux vous donner, attaquez-vous aux bordures. Aux bordures du bateau, vous allez voir que ça tombe, le centre tombera tout seul, ainsi que les murs. Voilà, on a récupéré de l'or, de l'aluminium, de l'acier renforcé, et on va voir si les armatures en ferraille viennent avec. Et non, l'armature en ferraille ne veut pas venir avec. Super. Moi, c'est ce que je fais dans mes parties en off, bien évidemment. Je fais tomber tout ce petit monde là.
tout le tour. Comme ça, je sais que le centre va suivre juste derrière. Voilà, il y a encore ces deux parties-là à dégager. Le pont là, qui malheureusement pour l'instant est bloqué quelque chose en dessous. Je gêne un petit pneu, voilà. Vous voyez que ça se remplit très 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 très, très vite. Donc, je vous conseille aussi d'améliorer votre coffre de rangement. Voilà. Le truc là. Attention, et dans le camion. Eh ben, faut pas être pressé, hein, vous le dites. Un petit coup de tronçonnage là-dedans. Vous voyez que c'est super long. Franchement, ils ont redurci depuis la dernière fois les matériaux, je comprends pas. Soit c'est les bateaux qui sont de plus en plus costauds, j'en sais rien. Car ma disqueuse est quand même assez puissante. Et je trouve qu'elle n'est pas encore assez pour, en ce qui concerne le disquage des bateaux. Ah, j'imagine pas celui-là à 2000 euros. Combien qui va coûter le bétain? Ça peut vous le dire, hein? Aïe, aïe, aïe. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment très, très long. Un enfin, niveau 5, pourtant, ça va dépoter, mais bon. Tant pis. Après, ben, ça coûte de plus en plus cher pour améliorer les outils, hein. Parce qu'il faut payer pour avoir le plan, mais il faut payer aussi pour l'amélioration. Donc, vous payez, pour l'amélioration, vous payez avec des matériaux. Vous gagnez la ferraille, l'acier, l'aluminium, tout ça dans le bateau. Et vous payez aussi avec un peu d'argent en plus. Donc, comme si on n'avait pas assez d'argent à donner comme ça. Donc, bah, le but, c'est d'améliorer vos objets. Mauvais outils, genre ta gueule, toi. Le but, c'est d'améliorer vos objets. Et le restant, vous leur vendez d'un petit supérette qu'on verra à la fin. Je vous montrerai où revendre le restant de vos matériaux, comme ça. Vous saurez où revendre le restant pour gagner de l'argent. Une fois que vous aurez amélioré ce que vous avez à améliorer. Voilà. Donc, on va tronçonner cette dernière partie-là. Bien évidemment, ça va bien tomber, bien sûr. Et une fois que c'est venu, ben, on se fera une petite ellipse parce que sinon, ça va être un peu long pour vous. Et pour moi aussi, d'ailleurs, ça va être très très long. J'aimerais que ça se dépêche un peu plus vite, s'il te plaît, merci. Voilà. Bon là, c'est tombé. On se remet sur la masse et on tape. Voilà, ça tombe. Voilà. Clic droit. Pour les personnes qui savent pas. Et voilà. Et là, tout ça, ça a ramassé. Bon voilà les amis. Bon, on fait une petite ellipse parce qu'on a tout ça démantelé, toute cette partie-là jusqu'au bout. On a encore tout ça jusqu'à là où on va faire. Et voilà. Et tout ça, tout ce côté-là, à décrocher. Donc, on se retrouve juste après, une fois qu'on aura fini, une fois que j'aurai démantelé tout ça. Bon allez, à tout de suite! 3 heures plus tard. Et nous revoilà les amis. Donc, enfin le plancher est dégagé au bout. J'ai fait en sorte de faire tout le fond du plancher, c'était assez long. Il nous en reste un peu, c'était pour vous montrer exprès comment ça se... Comment que ça se magouille au lieu de s'attaquer ligne par ligne pour démonter le plancher. Il y en a que je vois qui font une ligne, une autre ligne, une autre ligne. Moi, comme vous avez vu au début, j'ai fait tout le tour jusque là, j'ai été jusque là et jusque là-haut. Et voilà quand ce que ça donne à la fin. Tout le plancher se décroche. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous n'êtes plus qu'à ramasser. Et puis qu'à ramasser tranquillement, pépère peinard. Comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez plus besoin d'outils, plus besoin de rien, tout s'est décroché d'un coup. Si vous faites tout le tour comme ça, vous gagnerez du temps. Et le temps, hein. Peut-être d'argent, dans le jeu, bien évidemment. Là, je suis en train de. Vous voyez la grue, je suis en train de ramener un morceau de parcelle. Parcelle. Bon, quand tu veux. Il y a encore un autre morceau là à retirer. Après, il y aura la coque, mais la coque, je ferai en off, bien sûr. On a eu encore 150 de ferraille. Hop.
Comment qu'on appelle la grue pour ceux qui savent toujours pas? On appuie sur le 5. Si vous êtes comme moi en clavier anglais, bien sûr, bien évidemment. Vous voyez à gauche marqué grue prête. Après vous avez la CB, faites un clic gauche. Et voilà. Et voilà. Et la personne dit qu'elle va venir chercher l'autre morceau de la plateforme. Et puis voilà. Donc le temps qu'il va chercher ça, nous on dégage tout ça. Il reste en ferraille. Comme j'ai dit, la coque je ferai en off. Ça va être long. Parce que la coque elle est quand même en plusieurs morceaux là. Donc, je préfère pas vous faire ça en vidéo. Je préfère vous montrer autre chose que de vous montrer ça. Ça va être un peu trop long. Alors ça y est. C'est bon, tout est retiré, plateforme centrale est retirée. Voilà, pour savoir quand un morceau que la coque elle comporte, vous faites pareil, vous appelez la CB, vous voyez, 1, 2, 3, 4 et 5 morceaux. Donc vous voyez, les 5 morceaux, je préfère vous éviter. Ah, déjà ? Ok, j'ai le. Bonjour. Ah, je m'attendais pas qu'il allait me prendre de vitesse, lui. Ah! Voilà, donc, j'ai fait en sorte de lui donner l'ordre de venir soulever la coque, enfin, un morceau de coque. Nous, en attendant, on a quand même 26 tonnes de 452 kilos de matière première à ramener au centre de recyclage. C'est là qu'on va se fendre la gueule. C'est là que je vous disais comment ça va fonctionner. Déjà, vous voyez en haut à gauche, on n'a pas de matériaux, de l'acier, d'une on a l'alliage, de carburant, où on n'a rien de tout ça. J'ai fait exprès pour vous montrer comment que ça fonctionne. J'ai quand même du mal à avancer, gaillard. Là, attention, tout va jouer à la rapidité. Là, le rouge, vous voyez le rouge avec le rouge. Vous n'allez pas vous tromper, hein, les couleurs. De toute façon, les bennes, elles s'allument. Voilà. Il faut juste aller assez rapidement. Moi, j'ai mis mon clavier en langue anglaise, comme ça, ça va plus vite. Comme ça, je joue avec le Q et le D. Ça va deux fois plus vite. Ah! Vous voyez, il faut vraiment être assez rapide. Il faut être vraiment très très vite pour jouer avec ça. Avec le mini-jeu. Pourtant, je fais pas le boost. Le boost, comme vous voyez, en tout en bas de l'écran, en plein milieu, boost, c'est hein, vous appuyez sur l'espace, vous aurez une surprise. Ça va vous faire. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Enfin, je vais vous montrer, ça fait ça, ouais. Vous avez la vitesse que ça va, donc je préfère pas trop jouer à ça parce que dès qu'on tombe sur d'autres matériaux mélangés, donc pour mieux éviter. Donc moi ce que je fais, c'est que je clique, je reste pas appuyé sur la touche espace, je fais juste des clics, c'est tout. Donc ça va plus vite. Vous voyez les combos, on fait les nombres de matériaux qu'on met dans les bennes sans se tromper. Donc tout ça, ça me leur a apporté un peu d'argent et surtout des matériaux. Comme ça, les matériaux, on va pouvoir aller améliorer la disqueuse et la masse. C'est oui. Il y en a encore beaucoup comme ça. Ce qui manque, c'est qu'il devrait y avoir un compteur pour nous indiquer. Pour nous indiquer ce qui reste. Ce qui reste dans le camion et tout ça. C'est quand même assez long quand même, je trouve. Hein, vous voyez, vous avez intérêt à faire très attention et être très rapide à ce sujet là parce que vous voyez, ça va vraiment très très vite, hein. Là c'est tout le camion, vous videz là complètement, là, vous le videz vraiment complètement, tout ce que vous avez démonté d'un bateau trouvé là en boule de ferraille. Là,
façon, vous n'allez pas vous tromper si vous regardez la couleur d'ébène. Elle s'élève en fonction du matériau qui va arriver. Donc ça, vous êtes tranquille. Vous voyez là, c'est le rouge. Donc là, ça l'élève en rouge. Et après, ainsi de suite. Ah, je ne suis pas à tout vous expliquer. Vous savez comment ça fonctionne. Marseille. Oh, oh. Hop là, on a un bleu qui arrive. Hop, et on repasse le rouge. Le rouge perd et gagne. Allez, on est déjà à 235 combos et ça continue. Voilà. Le but, c'est d'essayer de ne pas en rater un. Pour gagner quand même un petit peu plus de fric. Voilà, c'est jaune, donc pour être un peu plus rapide. Voilà, tac, tac, deux fois. Là, pareil, une et deux. Oui, faut vraiment pas chômer. Vraiment avoir le bon réflexe pour pouvoir passer d'une à l'autre. Bien évidemment. En étant assez rapide. Et normalement, c'est fini. Voilà. Prix parfait. On a gagné 71,25$. Total raté 0. Total trié 285. Oui. Et voilà, on a un bon paquet quand même de fées. Il nous restera la coque, je vous disais à faire, mais ça je la ferai en off bien sûr. On va voir ensemble, vous voyez, la coque est encore à faire. On a rapporté de l'acier. Et je vais vous montrer déjà comment ça fonctionne tout ça. Donc là je vous ai dit on va améliorer le marteau et la disque, savoir combien ça coûte. Le marteau pour 240$. Ça fait cher. La scie, pareil, 240$. C'est pas grave. Vous inquiétez pas. Si ça descend vite l'argent, vous inquiétez donc pas. On va aller voir le petit monsieur. On va voir lui. Vous voyez les matériaux qu'il demande. Tac, tac, plus de l'argent. Un marteau comme ça, on le commande. D'accord. On passe au niveau 6. La disqueuse, pareil. C'est bon, on a ce qu'il faut. On regarde. Tout ce qu'on a, hein, ce qu'on a dispo. Hop, et voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Marteau, à quoi qu'il ressemble, marteau? Ouais. La disqueuse, ouais, c'est juste le disque qui change, en fait. Tout simplement. Donc, une fois que vous avez fait vos améliorations, pour gagner de l'argent, vous venez là. Vous allez voir le dollar qui est dessiné au-dessus. Et vous allez voir le petit monsieur. Vous faites maximum. Vous avez l'argent qui apparaît en dessous. Max, max et maximum. Voilà. Et vous faites un total de 635$. Et voilà. Et vous n'avez plus un en haut à gauche de votre écran. Mais l'argent a remonté. Simplement. À pas oublier que vous avez encore les morceaux de coque à enlever, bien évidemment. Ça, je vais faire ça en off, et voilà. Et voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo-là vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche et de partager si tout le cœur vous en dit. On se retrouvera très vite, très prochainement pour la suite de nos aventures sur ce jeu-là. Comme je vous ai dit, le dernier bateau se fera en live parce qu'il est énorme, et ça sera en live un mardi soir, comme ça vous aurez le mercredi pour vous reposer, bien évidemment. Quand je retire assez vite, ça fait du bruit. Enfin, voilà. Bon, les amis, j'ai laissé les derniers mots à ma très chère et tendre femme. Eh oui, amusez-vous bien et profitez du soleil parce que ça va être la canicule aujourd'hui, ça va être super. Alors, profitez-en, faites attention à vous. Allez, bisous, ciao, bye bye.